précédemment. On utilise la clé-clé, le manium. Et le manium. On va aller chercher le rouage pour chercher la dernière pièce et revenir au boss. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et j'appuie n'importe comment et au bout de quelques secondes, ça marche. On va prendre ça. Donc voilà, on a fait la manivelle pour faire descendre l'escalier, pour mettre le rouage. Et dans cette petite porte, il y a un renfoncement. Et dans le renfoncement, il y a la dernière prise d'échec qui servait aux égouts en bas. Gaboulax ! Ah, effectivement, ça doit faire mal aux côtes. Bonjour. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Premier boss, c'est parti. Tu ressembles tellement à rien. Non ! Putain, c'est accroché à mon cul ! On va voir si mon poids dans ton cul, ça va te plaire ! Le tête tombe du plafond, quoi. Non, mais tout va bien. Allez, suis-moi, Ada Wong. Retournement de situation, incoming. Elle est con, hein. Salut Léon, merci de t'être pris une balle. Ouais, elle tire bien pour une scientifique quand même. Oh, attention, scène d'action! La petite gifle. Ah! Ayla. Je crois que 75% des lignes de dialogue de Léon, c'est Ayla. Bon, là, je le sais d'avance, mais faut remettre le pont. Et la préconnaissance de Léon. La préconnaissance? C'est ses cheveux roux qui lui donnent cette capacité à lire l'avenir. Tu me racontes n'importe quoi! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Et là, c'est une grosse référence à Jaws. J'ai trouvé une médaille. Bah, je vais la prendre, hein, parce que on sait jamais. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça m'a toujours fait délirer cette préconnaissance. La préconnaissance! Ta gueule! Voilà, mais même ça, ça a aucun sens. Hein. Tu mets une médaille loup, une médaille aigle, ça arrête une chute d'eau, quoi. Et il y a une porte derrière. C'est quand même les pires architectes du monde à Raccoon City, quand même. Donc on a amélioré le shotgun, on a gagné en puissance, mais le fou! Wow! Tu m'as fait peur, toi! Et là, normalement, dans les chiottes de ça, il y a des balles de manium. Merde, j'ai pas fait de coupure. Maintenant! Attends, mais il n'y avait pas des chiottes là-dedans avec des balles de magnum? Bon. Qu'est-ce que c'est que c'est Samalek? Qu'est-ce que c'est Samalek? Ah bah si, ils sont là les chiottes. Et là, il y a du magnum. Voilà, c'est beau putain, c'est beau. Et alors là, les scénaristes, ils se sont dit, bordel, on veut mettre un boss. Mais il y a Ada qui fait chier. Ah, comment on pourrait faire pour s'en débarrasser? Et là, il y a un des japonais de l'équipe, il a dit « Attends, on va la tuer. » Enfin, pas la tuer, mais on va lui mettre un coup de griffe dans la gueule. Oui, c'était mon accent japonais. Même ce bruit, je l'adore. Et donc là, Ada va se manger une mandale. Mais comme rarement, elle s'est pris dans sa vie, je crois. C'est beau, même ça, voilà, ce petit détail de machinerie, je le trouve cool. Attention, ça va couper, chérie. Oh, attention, chérie, ça va couper. Hey là! Can you hear me? Come on, snap out of it. Ça pique. C'est parti. Je vais venger Ada. Tu as osé t'attaquer à Ada. Eh bien, je vais les venger. Oui, oui, on peut pas rentrer, évidemment, sinon c'est pas drôle. J'aurais peut-être dû prendre des soins, quand même. Oulalalala. On voit là-haut, la barre de fer. Mais je sais pas. Ah, mais je suis un ouf, j'ai même pas pris de soins. Bonjour. Ah. Il a froid, il rentre sa tête dans ses épaules. Ah non, il en prend une autre. T'as raison. C'est vrai qu'elle est mieux celle-là. Ah. Ah bah dis donc, faudra te couper les ongles. Ah mais t'as 4 mains. Cette musique. Olé.
On se casse. On se casse. On se casse. Maintenant. On se casse. Ah, il est possible que les combats aient pris un coup dur. Oula. Je vais manger. Je vous annonce, je vais manger. Oula. Au revoir, merci. Ah, normalement, je suis à 11. Putain, je m'en souviens encore des pourcentages et tout, genre... N'importe quoi. Alors, Ada, tu t'es mangé une mandale en pleine gueule ? Don't die. Ada, come on, wake up. Come on. Come on. Cette conviction. Actor Studio. Remettez un Oscar à cet homme. Bah, je me moque, et moi je trouve ça génial. Oh, putain, même cette musique, elle est géniale. Oh, yeah. C'est pas du tout ça. Et là, on arrive dans le dernier environnement du jeu. Le laboratoire de Umbrella. La société responsable de ce virus vilain, zombie méchant. Oh, oh. Hey, back. Yeah, take it easy. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest. Into in the meantime. I don't want to slow you down. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. Be in danger if you stay with me. I know I only know you for a short period of time. Ah bah oui, on se connaît depuis 40 minutes. Mais je t'aime. Aïe. Et quand j'étais petit, moi, quand il faisait aïe, je pensais qu'il avait mal à sa blessure. Je pensais qu'il faisait aïe. We're leaving this place together. Wait here for me. Comme quoi on est con quand on est petit, putain. Aïe. C'est normal, il a dit aïe quoi. Une plante, là il y a des cartouches, et là il y a des balles de magnum à gauche. Sur les balles de magnum, ça brille en bleu. Voilà. Donc 8%, franchement, on la garde pas. On la garde pas. Oh là là, mais on est pété là! Hein, le nombre de balles qu'on a! Hein. Oh les rubans quoi! Ouais, je vais pas prendre la clé tout de suite. Parce qu'il me semble qu'il y a un coffre juste avant d'y arriver. À l'endroit où il y a la clé, donc. Il y a les zombies nudistes ou pas encore? Non, pas encore. Oh, ah oui, il va y avoir une des énigmes les plus incroyables qui soit dans l'univers du jeu vidéo, j'espère que vous êtes prêts. Et je vous préviens, vous êtes pas prêts. C'est pour ça que je vous demande de vous préparer psychologiquement. On a un truc qui envoie du pâté quand même, là, faut. On n'a pas eu grand chose au niveau du. La difficulté des énigmes jusqu'à maintenant. Mais là ils se sont dit bon c'est la dernière du jeu, faut qu'on mette le paquet quand même. Donc non franchement j'ai mis du temps à la résoudre quand j'étais petit. C'est plutôt compliqué, vous allez voir. J'adore cette ambiance de chambre froide. Donc là on a voilà, une boîte de contrôle.
Si je pourrais placer un fusible, si seulement j'avais un caisson de fusible. Donc voilà, 1, 2, 3. Oh, un caisson de fusible. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? Donc, un, voilà. C'est le genre de truc que j'ai jamais compris dans les jeux. Donc, pourquoi tu fais une énigme si la réponse elle est à 3 pas à côté, quoi? C'est très bizarre comme concept. Ils auraient pu la mettre ailleurs, quoi. Dans une autre pièce, je sais pas. Dans le bureau, là où on vient avec Ayla, tu vois. Qu'on ait un minimum de... Mais non, juste à côté, quoi. Oh, la machine de la mort. Et donc ça, ça va nous servir à remettre le courant et à réactiver l'autre aile. On prend un sprite, hein, même si... Oh, elle est tellement pétée, là, que... Je pense qu'on va pas s'en servir. J'adore l'ambiance de ce laboratoire. Même je trouve qu'il est beau. Il est bien rendu, quoi. Une ambiance verdâtre, un peu glauque. Gris, verdâtre. Vachement appréciable. Non, il y avait vraiment... Regardez, non, mais les décors, il y avait vraiment du taf. Hein. Vraiment, ça a de la gueule, quoi. C'est de toute beauté. Ça a vraiment de la gueule. Même tout ce qui est machinerie et tout, les petits détails, les petits trucs qui s'enclenchent et tout. Ah, je trouve ça cool. Ouais. J'aime bien. J'aime beaucoup. On va dans la zone rouge. Là, ça sent le liqueur. Donc, on va prendre l'artillerie lourde. Et vous allez voir que là, depuis qu'il a amélioré le fusil, c'est plus la même. Hein. Ah oui, c'est fermé, c'est là. Bah, allez! Sauf que dans le placard, il y a... Oh putain, le lance-flamme! Oh, j'avais complètement oublié ce truc-là. Je sais même plus à quoi ça sert, ça. Une belle plante. Forcément, jeu japonais, tentacule, tout ça. Heureusement qu'on n'est pas avec Claire, parce que ça serait parti dans du hentai. Il se jette dans des conduits, le mec. Il sait même pas où ça va, il sait même pas ce qu'il y a derrière. Normal. Ah! Alors attention. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Cette puissance de feu. Je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc on a gaspillé deux cartouches pour en gagner 14. Je pense que ça valait clairement le coup. Et en plus, on s'est même pas fait toucher et on a gagné un lance-flamme. Ouh, that's a bingo! Par-dessus tout. Et alors, le lance-flamme, quand est-ce que je vais m'en servir? Oh, aucune idée. J'ai tellement. Tellement puissant déjà avec toutes les armes qu'on a. Parce que là, je pense que... Avant qu'elle me crache dessus, vite. C'est pas un combat impressionnant, mais... Donc là, on va vider le pistolet au maximum, et puis après, on va passer sur le... Ah non,
On va passer sur le... Sur le pistolet à pompe. Le pistolet à pompe. Mais n'importe quoi, le fusil à pompe. Bon, là, par contre, on est prêt, donc on va pas faire n'importe quoi. Cette puissance de feu. Ah, Léon, comment il part en couille quand il tire, c'est énorme. On prend les deux petites plantes. Hop. Par contre, ces monstres n'ont aucun sens, hein. Genre... truc à moitié... Enfin, la grosse plante vilaine, là... Ça, dans le remake, ils les ont transformés en humanoïdes, quand même. Ils ont eu le... Ils ont eu le bon goût de se dire, oui, c'est vrai que ça ressemble à rien, ça n'a aucun sens. On va en faire des zombies, quand même, à moitié plante, plutôt que des grosses plantes à moitié vivantes. Ce qui était un bon choix. Ah, liqueur qui va nous tomber dessus. On va attendre qu'il se remette par terre bien. Alors, on va l'allumer. Il y a son pote qui arrive. On prend pas de risque. Au revoir, merci. Jean-Paul qui arrive. Voilà. Je crois même qu'il y en a un autre. Par contre, les plantes là, ça devient indécent, les gars. Ça devient indécent. Bon, on va s'en faire un super. Hein. Et c'est le lance-flamme en fait qui fout la merde. J'ai un super gros. Un spray. Un mélange de deux. Et une toute seule. Et je vais avoir une plante rouge juste après, quoi. N'importe quoi. Trop de soin. Ah, il n'est pas encore là, le troisième liqueur. Okay. Ah, il va y avoir le coffre, non? Ah bah voilà. Ouais, oh, il avait les yeux bigleux là. J'ai dit, il biglait. On vire tout ça. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je commence à fatiguer là. Ce lance-flamme, écoute, je vais jamais m'en servir, clairement. Je crois que mon pistolet non plus, je vais le jeter. Voilà, l'herbe rouge, la fameuse. Merde, j'ai pas pris la clé, putain. Mais qui est con? Oh putain, il n'y avait pas déjà assez d'aller-retour dans le jeu comme ça, si en plus on oublie les trucs. Ah, je vous jure. On est poilé. Bon, et puis tant qu'à faire, on va prendre le magnum. Parce que clairement, on n'aura plus jamais besoin du flingue. Ça va être la fête à votre cul, les gars. On va voir les zombies. Alors, je sais pas si c'est les nudistes ou les scientifiques. Il me semble que c'est les scientifiques dans ce... Oh, putain, t'es sérieux. Il faut d'abord inspecter, sinon tu peux pas l'utiliser. Voilà. Un peu archaïque sur certains aspects. Donc là, c'est le Magnum puissance 12 avec le recul du fusil à pompe. Ah, c'est les scientifiques. Au revoir, merci. Ce
cette puissance de feu. Merde. Quel con. Je pensais que je vais tirer dans la tête. Salut les mecs, c'est moi. Merde, j'ai tiré trop tôt. La petite carte clé rouge. Carte clé. Voilà. C'est tellement n'importe quoi. Ah ça y est, mon joystick il commence à déconner. Enfin, ma croix directionnelle commence à déconner. Voilà, donc on a de quoi quand même faire le ménage. Hein. Ah, donc j'ai aucune intention de rentrer dans cette pièce, mais c'est juste pour pouvoir me débarrasser de la carte. Oula, accélère ! Voilà, c'est ma croix directionnelle qui merde. Donc ça va être pratique. Non, putain, ça y est. Ah non ! Pendant tout le jeu, tu t'étais bien comporté. Pas maintenant, pas à la fin. Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Zinedine, il avance tout seul. Donc, bon, on va rester là-dessus. Hein. Mais putain, ça y est, ma croix directionnelle, merde. Il avance tout seul, il fait n'importe quoi. Oh putain, pas maintenant, non! Alors, si vous voyez que je m'arrête ou que je fais du moonwalk, c'est pas moi. C'est ma croix directionnelle qui merdouille. Pardon. Liqueur? Ultra large quand même, au niveau munitions, tout ça. Surtout qu'on est à la fin là, quasiment. Hein. Là, je vais dans une salle, je récupère un disque, je reviens là, c'est fini. Hein. J'ai le boss de fin et c'est terminé. Donc. Ah, franchement, ça m'a fait plaisir de refaire ce jeu. C'était. Et petit moment nostalgique, c'est rigolo. C'est rigolo. Puis voilà, ça prend pas des plombes. Ça se fait vite. C'est rigolo. On a des doublages d'anthologie qui nous permettent quand même de passer des bons moments. Attention, l'esquive magique. Voilà. Hop là. Allez. Parce qu'on aime bien faire les choses proprement. Ah, y a pas le cri? Ah, ouais, quand même. Alors on va avoir la mort aussi la plus what the fuck de l'histoire des morts de Resident Evil, je crois. C'est pas tout de suite, tout de suite. C'est pas tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Un sprite. Mais à côté, c'est quoi? Ah bah c'est du Magnum, non? C'est du Magnum. Putain, 48 balles de Magnum, quoi. Au revoir, merci. On allume la petite loupiote, parce que si on n'allume pas la loupiote, on peut pas ramasser l'objet. Ces bruits. Et voilà, le disque est mort. Et à partir de là, franchement, on peut même laisser tomber le fusil à pompe. On prend ça et on va cartonner tout ce qui bouge. Dont le boss de fin. Qui ne va être qu'un amuse-gueule. Annette! You murdered my husband!
Who would you looking for? T-Virus, didn't you? From me. This is my husband's legacy. Now, where's that spy? Will you? You know what I'm talking about. What? Alors, il comprend rien, Léon. You're so gullible. Putain, ces dialogues. Oh. Ah, ça a pris un coup de vieux, c'est clair, mais c'est drôle, quoi. No lie. That's a lie. No, it's the truth. No, I know her. I know her. Depuis 40 minutes. Ada wouldn't do something like that. Right. You don't want to believe that I don't believe. You're going to die anyway. Et la mort la plus what the fuck du monde. What happened? Attention. Les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux. Ça n'a aucun sens. J'aime bien parce qu'il dit qu'elle est morte, là, il fait le nom de la tête en sentant son pouls. Mais évidemment, elle va revenir après. C'est-à-dire que son cœur va repartir tout seul. Repeat, the self-destruction will be activated. Et la musique, là, c'est de la folie. Là, il y a une vraie urgence, il y a une putain d'ambiance. Allez, cours, Léon! Mène-toi le pion! Léon! Léon! Hello? Tu t'es remis de cette patate? I've been waiting for you, Léon. Elle louche! What are you doing? You know what this is about. Just hand over the G-Virus. And that was right. That was right. But everything. That's what I told you to leave, but you wouldn't listen. Listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. Effectivement, Léon, parce que je t'aime. On se connaît depuis une demi-heure. Oh, Ada. 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 I got you. Don't give up. Ça l'a ressuscité pour 3 secondes. Ah, cette musique. Shut up. You gotta make it. Ferme ta gueule, il lui a dit. Allez, soulève-la. En plus, c'est une asiette, elle doit faire 30 kilos. Je rigole, évidemment. Allez, lâche-la. C'est qu'on a un jeu à terminer, nous. Hey là! Hey là! Non, franchement, cette musique, elle marche bien. On a tellement plus de musique marquante dans les jeux maintenant. C'est tellement de la double. Et cette musique, on l'entend que là dans le jeu. Juste ce passage. Ils ont créé une mélodie juste pour un seul passage. Et voilà. On s'en fout. Et là on repart sur les musiques de ouf. Parce que bon, hein, ça va 2 secondes, Aïda. Oh, t'es revenu là. Ça va bon quoi, tu m'as fait peur. J'étais sûr que je t'avais tué. Comment j'ai pu le louper, deux balles de fusil à pompe dans la tronche. Ou alors il repop.
exprès juste pour cette séquence, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Puis je, quelque part, on s'en fout, hein, comme on dit. Ah, les nudistes, les nudistes. Tiens, allez. Le Magnum, c'est génial. Ça déchausse les dents direct. Bonjour. Au revoir. Ah, t'en veux aussi, toi? Mais c'est pas du tout sur toi que j'ai tiré. Ah, ça, ça tue les deux en même temps, putain, c'est énorme. Disque amour requis. Je l'ai pas? Non. Bah si. Ah, j'ai deux soins, mais ça suffira largement, je pense. Non. Ah ouais, j'ai... Franchement, j'ai largement plus que ce qu'il faut. En termes de munitions. Je crois que j'aurais juste 20 balles de Magnum, j'aurais déjà assez. J'aime bien parce que l'autre, il se tire. On cherche même pas à récupérer Claire. 5 minutes until detonation. C'est ouf, je connais quasi tous les dialogues par cœur. C'est incroyable. Bah oui, on va appeler l'ascenseur, on va pas rester devant. Et là. Salut William. Ah, salut William. Pour ceux qui auront la ref, encore une fois, cette musique. Normalement, 4 balles, ça suffit. 3. Voilà. Deuxième phase, le chien des enfers. Et là, ça va être un petit chou plus compliqué, faut que je fasse un peu attention. Il ressemble vraiment plus à rien. Oh, t'es un mytho. Franchement, t'es un mytho. Je t'ai esquivé comme un loir. Ça veut rien dire, mais j'ai rien à faire. Ouais, glu glu. Ah. Ah non, mais tu pars, hein. Ah ouais, carrément. Oh, bah il est mort. Et voilà, bah c'est la fin de Resident Evil 2. Hein. Oh, mais vous avez vu comment on est pété à la fin du jeu, quoi. J'ai utilisé un spray encore parce que j'ai merdé sur mon esquive. J'ai utilisé quoi? 8 balles de Magnum. Qu'est-ce que tu fous devant, toi? 4? J'ai rechargé ou pas? Je sais même plus. Ça ressemble tellement à rien. Voilà, donc... On a tellement trop de munitions. C'est vrai qu'en fait, Survival Horror, la survie, vite fait. Hein. J'ai utilisé quoi, 4-5 heures, mais encore parce que j'ai merdé. Et puis voilà quoi. Bah voilà, c'est fini. On a fini Resident Evil 2. Hop là, tapé dans la caméra. Donc voilà. Bah écoute, on va laisser la petite séquence de fin et puis voilà, on est bon. Donc voilà, c'était une petite vidéo sans prétention, hein, sans rien. Je sais même pas si je vais faire du montage ou quelque chose. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais même pas si je vais vous l'uploader. Hein. Franchement, c'est de la merde. On est d'accord. Mais voilà, c'était pour... Voilà, je m'ennuyais, je me suis dit, au cas où, j'ai un peu de contenu. Un peu gaming, un peu gamer, voilà. Donc c'était un petit jeu comme ça, voilà, qui m'a marqué quand j'étais petit. C'était une petite révolution, hein, technique. C'était fou, quoi. C'était la suite du premier, évidemment. Mais le 1 était déjà une petite révolution. Mais alors celui-là, il a marqué tout le monde, quoi. C'était quelque chose, R2, quoi. Ça partait déjà un peu plus dans l'action, mais il y avait cette putain d'ambiance, le commissariat, tout ça, le labo à la fin.
Bon, les sempiternels égouts dans les jeux. Mais voilà, quoi. Non, c'était... c'était cool. Voilà, y rejouer comme ça, c'était sympa. En commentant un petit peu, en disant des conneries. C'était sympatoche. Bon, par contre, je crois qu'on peut pas passer le... le générique. Je vais faire une petite coupure, on va attendre quand même le... la note pour voir combien j'ai eu, quoi. Et non, je suis très content d'avoir refait ce petit jeu là, c'était sympatoche. Ça a un peu vieilli quand même. Au niveau des combats, surtout les boss, hein, on bourre et puis c'est tout, quoi. Il n'y a aucune stratégie, on prend les armes les plus puissantes, on tire et puis voilà, quoi. Mais il y a toujours cette petite ambiance qui marche bien. Et encore là, je me rappelais quand même vachement du jeu. Parce qu'encore une fois, quand j'étais petit, je l'ai retourné dans tous les sens pendant au moins un an et demi. Parce qu'à l'époque, t'achetais un jeu, t'y jouais pendant un an et demi. Hein, si t'avais pas la console craquée là. Moi je l'avais pas, donc j'avais trois jeux qui m'ont tenu pendant 4 ans, quoi. Parce que c'était 350-400 francs un jeu. Donc près de 50 euros maintenant, hein, donc. Donc voilà, quoi. Ah non, c'est pas le même mec qui fait Ben, le journaliste, là, et Léon. On dirait, ils ont vachement le même timbre de voix. J'aurais cru. Donc je sais pas si je vais vous uploader ça. Je sais même pas si je vais réuploader et terminer les trois parties de Final Fantasy VII Remake. Donc j'avoue que j'ai revu les deux premières parties qui étaient rigolotes, mais la troisième, elle est un peu plan-plan, donc je l'ai jamais uploadée. Mais peut-être que pour la nouvelle année, ou un petit cadeau de Noël, comme ça, je vais vous mettre ça. Bon, là, je peux plus rien uploader parce que j'ai ma box qui merdouille, donc j'attends un réparateur qui va venir là, lundi 27. Vous en avez absolument rien à foutre, je sais, mais c'est pour meubler un peu le temps que le générique se termine. Donc voilà, là, pour l'instant, heureusement que j'ai des vidéos prévues à l'avance, parce que sinon, j'aurais été un peu dans la merde pour vous proposer du contenu. Donc voilà, quoi. Si je trouve au montage que ça vaut le coup, je vous mettrai ça. Et puis voilà. Ah, c'est beau. Une petite musique sympa quand même. Alors combien on a eu? On va pas avoir grand chose, hein, je pense. On va taper dans le B ou dans le C, hein, je pense, parce que voilà, quoi. On a fait qu'une seule sauvegarde, on n'a pas pris de spray. Mais on s'est soigné quand même pas mal. Donc on a mis beaucoup de temps en plus. Peut-être C ou B maximum. Je pense pas qu'on tape dans du A. Allez, B. Ah, 2h15, franchement, 2h15, c'est propre. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis voilà, c'était une vidéo qui ne servait absolument à rien. Des bisous. Ah si, quand même, la classe. J'ai quand même gagné le lance-roquette infini. Pour Claire B. C'est beau.